Aujourd'hui, nous avons présenté les résultats du rapport d'activité de la MIC pour l'année 2023 et partagé avec tous l'excellente année qu'a été cette année, puisqu'on a battu des records dans la plupart des indicateurs, plus de 3 milliards de dirhams d'argent levés auprès d'institutions financières, plus de 2,5 milliards de dirhams investis au capital des entreprises marocaines. Donc ça, franchement, ce sont deux beaux indicateurs, trois fois plus que 2022, ce qui souligne, je pense, le dynamisme de l'industrie, mais drivé bien sûr par le dynamisme du Maroc, son attractivité, sa stabilité monétaire, sa stabilité économique institutionnelle. Donc ça, je pense, 2023 a été un gros cru. Nous avons aussi demandé à nos membres de projeter leur vision sur 2024 et 2025, et les montants qui ont été partagés sont aussi records, puisque les confrères parle de plus de 7 milliards de dirhams qui seront levés les deux prochaines années et près de 6 milliards investis aussi sur les deux prochaines années. Donc on est vraiment, je pense, sur une nouvelle dynamique. Le Fonds Mohamed VI pour l'investissement a été un vrai point d'inflexion. Il va avoir un gros impact sur 2024 et il va permettre d'avoir une industrie du capital investissement marocaine dans les meilleurs standards et au meilleur niveau international.